Il est très exactement 20h35. Il fait noir dans la pièce. C'est lundi. C'est l'heure. Du coup, bienvenue à ceux qui ont suivi jusqu'à présent ce Let's Play. Puis bon, passer un mauvais moment ensemble. Oui, à le jeu. Continuer. Lors du dernier épisode, on devait retrouver un kit médical, il me semble, pour Taylor qui était dans un sale état. Mot de passe requis. Très bien, je ne le sais plus. Ich don't know. 2505. Oui, mot de passe requis, je sais, merci. J'ai le mot de passe. Oui, la carte d'accès. En deck. Quel molotov. Voilà un plan intéressant. À faire péter un peu le son quand même. Hein. Le but c'est que je me flippe quand même. Hop, docteur Morley, je me contrefous de ce que vous pouvez devoir faire. Je vais vous débarrasser. Herbicide de sang cristal sur le champ. 2505, on est d'accord. C'est vrai que c'est pas ce bouton. Verrou de sang cristal, maison médicale, jusqu'au nouvel ordre. Équipe médicale, Sébastopol, la salle des hôpitaux de campagne sur toute la station face à la crise actuelle. J'ai un peu trop tendance à entendre ma feu. Ça ne me plaît pas beaucoup. Je vais mourir 5 fois avant, classique. Les infirmières synthétiques travaillent dans ces locaux. Vous pouvez également demander à recevoir des soins humains. Oui, c'est vrai qu'on était là. Excusez-moi un petit instant. C'est un vrai cauchemar ici, Samuels. Oui, ça se passe pas bien. Hop. Il y a du mouvement. Quel est votre objectif ? Chercher un kit de soins au bloc opératoire. Alors. Ding des humains. Je crois qu'on n'est pas seul. Tentez pas trop le diable maintenant. On va mourir. Elle d'abord. Nichtra. Et y a pas de sortie ici. Je vais crever. Salut. Oui bah bonjour. Ah. Ça commence fort. Ça commence en pleine forme. Écoutez Thérèse, je suis ravi. Et hop, à part ton propre moi. Priez de ne pas fumer.
C'est A pour changer. Tel était le dernier, mais t'y es passé quand même, oui. Mais pourtant, on y a cru jusqu'au bout. Enfin, moi, j'y ai cru jusqu'au bout. Placard ici, ça peut servir. Quelque chose ou quelqu'un dans le coin. Mais parfois de glisser sous les lits, c'est une très bonne cachette. J'en prends bonne note. Oui, merci de me mettre un coup de pression, Samuels. Bouge pas. Bouge pas trop. La réception médicale sans Christ. Bah faut-il que ce soit si loin. Tu m'as pas vu. Tu comprends pas pourquoi. Tu m'as pas vu. On va s'en sortir, promis. Cassez-vous. Non mais cassez-vous! Ne restez pas là, bande de cons! Surtout que j'entends Jackie dans les tuyaux. Non, c'est pas moi. J'aime les placards. Le placard, meilleure invention de l'humanité. Les passagers en transition doivent fournir leur numéro d'équipage et leur immatricule d'arrivage. Si c'était la créature, on serait déjà mort, pas vrai? Respire, Joseph. Vous voyez quelque chose, n'importe quoi. Direct, direct. Et si c'était cette créature? Non. Cassez-vous. Continuez de chercher. J'aime pas ça. Ça vient des conduits. Putain de merde.
Là, ils sont là, c'est con. Non, non, merci. Il s'approche. Ah! Coucou! Tu peux choisir ta faction en lançant un truc qui fait du bruit et te planquer. C'est vrai que ça peut être rigolo. Après, le problème, c'est que si je l'attire, ben, il faudrait que j'y échappe, quoi. Comme qui dirait. Et comme y échapper, c'est pas trop ma spécialité. S'ils pouvaient cesser de mettre des coups de pression comme ça aléatoire, ça serait bien. C'est un vrai cauchemar ici, ça pulse. Comment ça bip? Non, pas bip. Bip rien du tout. Samuels, j'ai des médicaments. Nous sommes à la gare de transit, devant la réception du centre médical. Ripley, nous avons entendu les tirs. Et si on les a entendus, la créature aussi. Oui, merci de me remettre un coup de pression, Samuels. Non, tu vas crever, là. Ces autres cons qui sont là. Bien sûr, on va se mettre juste en dessous de la trappe. Ça me semblait une bonne idée. Les visiteurs sont priés de ne pas fumer. En train de lever. Ripley, la route vers la réception du centre médical est barrée. Le seul moyen d'ouvrir une sortie est d'activer la procédure d'évacuation de l'hôpital. Ouais, très bien. Ce qui va être une super idée. J'ai des endroits de cachage dans le coin. Pas trop, hein. On est d'accord, pour se planquer, c'est un peu la zob. Il y a point de servir là-bas. Ah, il est là. Il a fait sa petite bavouille. Il fusille son gros bavou depuis les tuyaux. Laisse-moi tranquille. C'est quand même joli, hein, en termes d'ambiance, il y a... Bon, voilà, je... J'emmène pas large parce que, bah, j'ai... complètement flippé, mais là. Est-ce que c'est une bonne idée de sauvegarder? Voyager l'esprit tranquille. On va dire que oui. Oui, très bien.
petit peu parce que ça fait un raffut d'enfer d'utiliser cette merde. Arrêtez de faire des bruits! C'est pas moi, j'ai rien fait. Il va nous faire son petit bavou. Attention derrière toi, hello Capi, comment ça va? Allez, barre-toi, 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 barre-toi. Pas toi Capi, hein, toi tu restes. Mets-toi la ligne, tu te barres. On va dire qu'il est plus là. La sécurité, on a pris les trucs les plus bruyants de la station. Et on les a assemblés ensemble. What the fuck? Ah oui, d'accord, y a un vilain droïde. Lance-flamme et boule de feu. Est-ce que ça va? Ah putain, c'est encore dans cet endroit là. Il y a Fantomas qui me poursuit maintenant, c'est magnifique. J'en entends ce baril de site vide. Ça me semble une bonne idée. Et il y a l'affreux qui est là. Chut, calme-toi. Je ne suis pas là. Viens, Fantomas. Ça va être encore un truc qui va faire un raffut d'enfer à activer. José qui est là. Quel enfer. Des infirmières synthétiques travaillent dans ce... Oui. Vous pouvez également demander à recevoir des soins humains. Oui, oui. On peut. On reconnaît toujours. Un vas-y. S'arrêter là, il va me mettre à l'envers. Ça va être rapide. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est pas tout ce qu'il y avait à faire. Ah bien sûr. Ben bien sûr. Casse-toi, Jackie.
Va t'occuper des humains qui se baladent. C'était pas très sympa. Ok, si tu le dis. Du coup, c'est par Hook. Pas de côté, évidemment. Puis bon, je me rejoins de ce point de sauvegarde là. Espérons qu'on ne tombe pas sur une surprise en route. Genre par exemple les humains. Ou un alien. Est-ce qu'on a un passage alternatif? Oui, éventuellement par là, j'ai l'impression. J'ose l'espérer. Et là, t'as Brutti qui va surveiller, qui va me tirer dessus, qui va tirer. Il est horrible ce jeu, je suis d'accord. Pourquoi je joue à ça? Pourquoi? On va dire que par là c'est une bonne idée. Je suis à peu près sûr qu'absolument pas, mais... Où est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? J'ai quand même l'impression que c'était une très mauvaise idée. Serait-il possible que je ne sois pas du tout au bon endroit? Ah! Bon bah, bonjour! Je passe un moment nul. Super. Écoutez, je suis ravi. Est-ce que ça veut dire que du coup je peux passer par les tuyaux pour aller pour me barrer? C'était bon à savoir. Allez. Allons-y, mon Jaeger. Très bien. La droïde qui s'active. Y'a Raoul qui dégueule déjà au-dessus de nous. Petit bloc, petit bloc, petit bloc. Ce n'est vraiment pas le moment. La maison médicale Saint-Cristobal recommande la visite de Dixon. Voyagez l'esprit tranquille. Dixon, notre quête d'une qualité à portée de tous ne connaît pas de trêve.
Oh, Thomas m'a pas vu. La voie est libre, clé, vite. Oui, vite, bien sûr. 9 courses. Du coup, on avait établi qu'il y avait des conduites qui permettaient d'accéder là, à peu près. Je me souviens bien. Éventuellement ressortir et de repasser par là, mais bon, ça m'avance pas à grand chose. T'as raison. Je suis 100% d'accord avec toi, Raoul, tu n'as pas que ça à foutre. Alors, il y a un humain là-bas. Par là, ça nous mène à la baie des ambulances, ça nous aide pas du tout. Il va falloir passer par l'humain et puis éventuellement tenter de se barrer comme un vieux traître. Déjà, la droïde n'a pas l'air de m'avoir vu. Ça a pas l'air de trop bouger dans le coin. Je retire immédiatement ce que j'ai dit. Machin des opérations, si je passe à travers, ça m'arrange. Ah oh, merde! Ah oh, putain, bâtard! Ça semblait une bonne idée pourtant jusque-là. Ouais. J'avais entendu le plac de Sada, mais j'ai vu. Je pensais pas qu'il pouvait nous choper même quand on était en bonne ninja. Et donc si, ça répond à ma question. Du coup, plic-plac-plouf, on active ça, on passe le droïde, on continue tout droit, on se passe à gauche par la maison médicale où on avait trouvé la boîte de soins, on fait attention à ce que Gerbax ne nous embauche pas au passage. Brazing, je suis d'accord. Ici, là. Petit bruit 8 dégueulasse là. Ripley, est-ce que ça va? Ripley. Pas maintenant. Si le live n'ira pas universaliste, absolument. Là on est en train d'attaquer le Portugal. Est
l'état de la station vous est désagréable, veuillez nous le faire savoir. Par toi, Jackie, pas par ici. Casse-toi, Raoul. Dans la vision d'ensemble, chaque détail a de l'importance. Il parle vraiment comme un manager. C'est peut-être ça le plus horrible. Cette fois-ci, c'est la bonne, j'en suis sûr. Manager 2.0. Vous n'êtes pas assez disruptif. De ressortir par là, du coup. Cette fois-ci, c'est la mort par empalement. Bah ouais, il faut apporter un petit peu de variété pour pas que les viewers s'ennuient. Je sens que c'est à peu près là que je vais apprendre aussi qu'il se déplace par les conduits au sol. Ça a l'air safe. À passer par là, très bien. Bonsoir. Je vais mourir. Ah, pas comme je l'avais prévu. Niveau de tremblement beaucoup trop élevé. Comme dans Metal Gear. Ouais. S'il est vraiment con, ça peut passer. Hein ? Juste une boîte. On va se consommer un médic. L'émetteur de son. Lorsqu'il a enclenché ce dispositif fait maison, il émet un son continu très aigu qui attirera beaucoup d'attention.
On essaie d'utiliser ça. Ça m'a l'air super intelligent. Et donc probablement un échec. Bon, et c'est pas que ce passage commence à me gaver, mais... Un peu quand même. La maison médicale Saint-Cristobal recommande la mutuelle Sixon. Voyagez l'esprit tranquille. Tu veux déchirer ton écran? Non, j'ai pas la force physique. Mais j'avoue que mon rythme cardiaque était beaucoup plus zen quand j'étais occupé à écrire. Mais alors, manager disruptif 2.0, il est parti. Hello, Jurikan. J'espère qu'il va pas trop me chercher. Ça me rappelle un peu le... Les Martiens sont vos amis, ne fuyez pas. Arrête de me chercher. T'as rien de mieux à faire? Absolument. On va se méfier de Bavou. Passer par ce bar. Voilà, soit. Si j'arrive à me faufiler jusque là, je dois pouvoir passer à travers et gagner un peu de temps, éventuellement atteindre ce point de sauvegarde là qui me. En attendant, faut déjà se débarrasser de Babouille.
là, évidemment. Dégage. Là, il est là. C'est passé, c'était assez inattendu. Ah. Je pense qu'il a vu un copain et que ça s'est mal passé pour lui. Envie de sortir, mais j'ai peur qu'il me fasse une vieille feinte. Il faut juste que j'arrive à passer là, à atteindre ce point de... Ça, c'était pas loin. Bon, il va falloir quelque sorte, hein. C'est avec l'alerte, j'entends que dalle.
se lance ou bien... T'ouvre pas cette porte, je t'en supplie. Évidemment. Bon, je suis grillé. Je suis pas là, c'est pas moi. Clairement, c'était le chat. Le gros minou à sa maman. Laisse me passer, bordel! T'as déjà boulotté au moins 5 ou 6 personnes! Mais moi, je suis toute grumée! Mais bon. Voilà. Alors le 0,19, c'est sa distance à gauche ou c'est... Il y a un copain boulotté, vas-y. Mais non, mais pas moi, tête de con. Moi, je suis ton ami. Bah, bon app, hein. Putain de bâtard!
Putain, je te sais mort. Deux secondes. Faut que ça retombe. Échappez-vous, très bien. Faisons comme ça. J'ai raté un peu de servir, non. Oui, très bien, mais il y a des trucs à bloquer. Wingard 1 et Julia Jones, je suis écrivain. Je traite actuellement de la mise hors service de Sébastopol. J'espérais m'entretenir avec vous au sujet de vos expériences sur la station. Et vous savez, les ressources médicales très limitées. Oui, j'ai Dungeon Keeper. Le premier Dungeon Keeper. Ce genre de choses. Mais écoutez, docteur, j'ai entendu que récemment il y a eu une sorte d'incident à l'hôpital. Personne n'a l'air au courant. Docteur, s'il s'agit d'un problème grave de santé publique sur Sébastopol, les gens doivent savoir. Je travaille à mon compte. Je vous prie, je n'ai aucune affiliation avec quelque compagnie que ce soit. Je noterai toutes les déclarations. Fais pas d'efforts surtout. Allez Jacqueline, allez. Oui, c'est la saucisse. Je suis sûr que ton ami ne sera pas du tout dans les conduits. Jeu de l'enfer. Défaut détecté. Fermeture en cours. Il tient ce qu'on passe sur les conduits, hein. Bien calmer ton cul, alien, tu me m'attrapes pas dans les conduits, y'a pas moyen. Wingard
qui est l'enfer. Mais non, mais pas du tout. Bon, par contre, YouTube, je vais faire une pause à cet endroit-là. Ça me semble bien. Et puis, Twitch, à tout de suite. Bisous.